Peut-être que, sans doute, tout vint d'une goutte, que la goutte se fit flaque, et puis de flic en floc, un lac, pour devenir enfin la mer. Mais juste un bébé mer. On ne devient pas une mère adulte, une grande mère comme ça d'un seul coup. Il en fallut bien du temps pour alanguir ses contours, arrondir ses bassins, choisir sa garde-robe, afin d'être prête en toute occasion à s'offrir aux quatre saisons. Et puis du temps encore pour en finir par n'avoir plus d'âge, ou tous ces âges confondus. Une mère universelle, quoi. Toi qui l'as mis tout le bijou.
Comment font les cargos ventrus pour ne pas se perdre en chemin? Il n'y a pas un nom de rue sur les flots, ni borne, ni rien. C'est valable pour les poissons, les sous-marins et les crevettes. Comment retrouver sa maison quand on n'a pas de boîte à lettres? Et pour distribuer le courrier, pas un numéro au portail. Pareil pour les scaphandriers, pas d'écriteau, pas un signal. Sans flèche, sans un pointillé, sans une croix, sans un repère, sans la chance d'être noyé, n'importe quel terrien se perd. Le requin, la pieuvre, la sole, qui sait lire les sémaphores? Et qui se soucie des boussoles? Pourtant, tout arrive à bon port.